Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, mesdames, messieurs les représentants du ministère de la Culture, chers collègues ambassadeurs, chers invités, chers jeunes, bonsoir et bienvenue à cette exposition de photos intitulée « La vie Jodhia », organisée sous le patronage du Bureau des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis, en collaboration avec le photocombi à la Galerie Monet. Il est étonnant de voir comment les enfants du monde entier ont une soif de connaissance. Et lorsqu'ils ont la possibilité de faire quelque chose de différent, ils saisissent cette opportunité et produisent des œuvres qui vont même au-delà de nos attentes. En Haïti, 60% de la population est âgée de moins de 24 ans. Et 40% ont moins de 14 ans. Lorsque vous travaillez avec ces jeunes, vous devez vraiment faire preuve de créativité afin de capter leur attention. Ils ont souvent une histoire à raconter. C'est pour la première fois depuis de nombreuses années que l'ambassade a travaillé directement sur un projet de photographie et par le biais de ces photographies ce soir, nous aidons les jeunes haïtiennes à partager leur histoire avec vous. La section des affaires culturelles a eu l'idée créative d'organiser des ateliers photographiques et en partenariat avec le photocombi a pu réaliser ce projet. Personnellement, j'aime bien la photographie moi-même et je suis heureux que nous ayons partagé l'art de photographie avec les participants et encore plus avec vous ce soir. Chaque photographie peut véhiculer beaucoup d'histoires, plusieurs messages et beaucoup d'émotions. Ce qui est le plus merveilleux dans le cadre de ce projet de photographie, pour la première fois, des gens qui constituaient souvent les centres d'intérêt des photographes en général sont devenus les acteurs et des protagonistes dans le cadre de ce projet. Ces nouveaux jeunes photographes rencontrent l'histoire cette fois. Ces nouveaux photographes, connus antérieurement comme les sans voix, partagent leurs histoires à travers les photos exposées dans cette galerie. C'est une chance pour eux de s'exprimer, de vous faire partager leur vie, leur réalité, leurs frustrations, leurs histoires avec vous. Écoutez leur voix, prenez le temps de comprendre et d'admirer les photographies. Les jeunes, dont beaucoup n'avaient jamais eu l'occasion de tenir ou de voir une caméra dans leur vie, ont réalisé de magnifiques photos et les résultats sont inestimables. Chaque participant dispose d'une copie de leur photographie qu'ils garderont en souvenir de ce projet. Veuillez profiter des plus grandes gravures exposées cette semaine et continuer à soutenir le photocombi dans cette initiative. De ce fait, je félicite le photocombi pour cette parfaite collaboration et pour avoir utilisé leur expertise de la photographie, permettant ainsi aux jeunes de partager leur vie, de les motiver à prendre une part active au développement de leur communauté et de s'impliquer davantage pour faire connaître leur point de vue et leurs attentes en ce qui a trait aux besoins de leur communauté. Chers jeunes, je vous encourage à travers vos photos et vos projets à vous engager de manière active dans la reconstruction d'Haïti. Chers amis, je vous invite donc à découvrir la vie à travers des photographies exposées ici à Galerie Monet. Merci et bon divertissement.